soirée, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Punaise, comme je suis contente de vous retrouver. J'ai cassé ma caméra. Franchement, depuis que je suis arrivée à Bangkok, j'ai la poisse avec mes appareils, mon téléphone, j'ai eu des soucis, ma caméra, pareil, carte mémoire, j'ai perdu beaucoup de contenu. Enfin, je me dis que c'est encore que le début et du coup c'est pas grave. Et j'ai envoyé ma caméra réparée, elle est revenue hier soir. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vlogger toute ma journée. C'est le ramadan en ce moment et franchement ça fait déjà 6 jours que ça a commencé. La shorba et les briques me manquent énormément. Franchement je pensais pas, je pensais qu'avec tous les restaurants qu'on avait ici j'allais pas y penser. Mais ça me manque grave, même l'ambiance du ramadan là-bas en France avec la famille et tout, ça me manque beaucoup. Et Romain aussi ça lui manque. Du coup on s'est dit qu'aujourd'hui on allait faire des courses et essayer de faire une shorba et des briques, ça serait vraiment génial. Et qu'on allait vous emmener avec nous. J'allais faire une coupe potable parce que ça c'est catastrophique. En ce moment je fais que des tresses, c'est trop pratique, il fait super chaud ici. Et bref, je vais m'habiller et on se retrouve pour aller faire les courses. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire une shorba? Dites-nous ça en commentaire sans tricher. A tout de suite. Arrive au centre commercial, je sais pas si vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose, mais on habitait juste au-dessus du centre commercial quand on était ici. Et ça fait trop bizarre, ça fait trop plaisir, franchement ça fait 2 fois que je viens ici et à chaque fois ça me fait trop plaisir, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Donc voilà, les enfants sont pas sages, les gars, les enfants sont pas sages. Ils sont dans tous leurs états, ils veulent tout faire, ils touchent à tout, beaucoup de bêtises. Non, non, non. Sorry. Et franchement avec le ramadan et tout, on est fatigué, mais bon. Mais bon, regardez-moi ça. Franchement les stands comme ça, ça devrait être fermé pendant le ramadan. La vérité. Je sais qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais quand même, c'est de la torture. On a décidé de venir faire des courses comme à l'époque dans le supermarché qu'on a l'habitude de fréquenter. Parce que on s'est dit qu'on en avait un peu marre des restaurants, des trucs comme ça. Et qu'on avait vraiment envie de se faire un bon stand ce soir. Donc on va essayer de tout trouver ce qu'on trouvait à l'époque et on va essayer de se faire un bon repas comme à la maison à l'époque. C'est-à-dire bourek, shorba, parce que là ça commence à me manquer, je suis un peu jaloux, je vois la belle famille et la famille, ils font tous des méchants stores et tout et ces petites saveurs me manquent. Donc on va essayer de se faire ça ce soir. Chef Mina, il n'y a pas de viande halal. Elle est énervée. Ah ouais? Ça va poser problème. Pourtant à l'époque les rayons ils étaient pleins de ça. À l'époque dans les 7-Eleven moi je trouvais des burgers halal, tu vois, au bif halal avec l'estampille halal. Et là maintenant il n'y a que des sandwichs au porc. C'est qu'on dirait qu'avec le Covid ils ont perdu tous les importateurs halal. Hein? Mais avant dans tout le poulet puis dans la majorité du bœuf. C'est ça? Ah oui, vous voyez. Je viens de finir les courses, Romain est monté avec les petits pour les emmener jouer un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas marrant de faire les courses avec nous. Les gars, devinez combien j'ai payé pour ces courses. Je suis choquée. J'ai payé 170 euros et j'ai pris, j'ai rien pris quoi, j'ai juste pris de quoi faire une shorba. J'ai même pas pris de viande, enfin j'ai rien pris. Des légumes et de quoi faire une shorba. Du fromage, du pain de mie, enfin 170 euros. Non, trop cher à Thaïlande. Là, ça a trop changé. Ça a trop changé. Déjà avant de faire les courses et de manger à la maison, c'était cher. Mais là, franchement, je suis choquée. Voilà, bah écoutez, on est avec le Kazi. Je pense que je vais en profiter qu'il soit en haut pour aller faire un petit tour vers les vêtements qui sont là-bas. Ça fait pas de mal. Et on va rentrer se mettre au fourneau. Voilà. Regardez-moi cette torture. On a un problème, j'ai pas d'hachoir, j'ai pas de passoire non plus. Je sais pas comment je vais faire la shorba. Et j'ai même pas pris de la farine pour l'épaissir au cas où elle serait trop liquide. Je pense que Romain a une bonne idée. C'est quoi ton idée? Bah on va couper au couteau, on va couper fin, le plus fin possible. Je vais me transformer en super ninja cuistot de sushi de la guerre. Ça va faire plein de saveurs. Hein. Ouais. Non, t'inquiète, ça va être bien.
On va faire ça bien avec les moyens du bord. Voilà ce qu'on a fait. On a juste une chorba à manger et des macaronis and cheese. En fait, on n'a pas les ustensiles qu'il nous faut pour faire tout ce qu'on voulait faire d'autre. Et bah écoutez, on va manger cette chorba avec plein de morceaux. Je sais pas ce qu'elle va donner. Pour les macaronis and cheese, j'ai mis des petites allumettes de poulet. Je vous avais fait des recettes rapides en France et j'avais complètement oublié de les poster. Et je crois que je les ai sur le PC. Du coup, je vous les mettrai juste après. Comme ça, vous avez 2-3 recettes à faire pendant le Ramadan qui sont super faciles. C'est parti, bourek, pain de mie d'Inde et cheddar, ma préférée, franchement trop bon, trop simple. Vous enlevez les bouts des pains de mie, vous mettez vos pains de mie à plat sur une assiette, vous rajoutez votre cheddar, jambon d'Inde de chez Fleur et Michon, il est trop bon. Et ensuite, j'enroule mon pain de mie, voilà, ça doit donner ça. Vous mettez ça dans de l'œuf, vous rajoutez de la panure, vous trempez ça dans la panure aussi, et vous venez faire frire. Voilà, ça vous donne ça, cette... magnificence, trop bon. Ensuite, les macaroni and cheese et allumettes de poulet, les préférés de mes enfants, c'est trop bon aussi. Un oignon découpé en dés que vous mettez dans une poêle avec de l'huile, vous rajoutez du coup des allumettes de poulet, toujours Fleur et Michon, franchement le goût, c'est trop bon. Je rajoute de la crème, du lait et du cheddar, je viens laisser mijoter. Je rajoute mes macaronis, je mets du sel, du poivre et tada, c'est trop bon. Dernière recette, mini tacos poulet, oignon et fromage fondu, les préférés de mon père, ceux-là aussi c'est trop facile, de l'huile, toujours de l'oignon pour donner du goût, des dés de poulet, ils sont aussi trop pratiques ceux-là pour faire plein de recettes super faciles et je laisse mijoter. Je prends un tacos, vous pouvez aussi mettre ça dans des crêpes par exemple, vraiment ce que vous souhaitez. Je mets ma petite mixture, je rajoute du fromage fondu et je plie mon tacos, franchement super simple, vous suivez juste et vous le bout qui reste, vous le rentrez à l'intérieur. Voilà, je fais cuire et voilà ce que ça me donne, trop bon. J'ai un potager de morceaux de fruits, de légumes. Blâme pas ma chorba, t'as pas encore goûté. Bon, on va la goûter les gars. Beaucoup de citron, je crois qu'il en faudra pour le goût. Non, parce que la viande ça donne tout le goût et là... Non, mais tu m'en faisais beaucoup en Thaïlande des chorbas. Ouais, mais là on n'a pas de passoire, on n'avait rien en fait. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que tu m'as pas de hachoir. Excellente. Oui, mais moi j'achète tout. J'achète tous les légumes ensemble, c'est trop bon. Celui-là. Franchement. Attends, déjà, j'achète un petit peu de cumin. La vérité, t'as le goût. La chorba un peu. Ça va, ouais. Franchement, ouais. Je m'attendais à. C'est vrai. Mmh. Ah, mais genre, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Non, franchement, moi, je la trouve bonne. Non, je rigole, franchement, c'est super bon. Dis-moi là. Ouais. Non, franchement, c'est bon. Franchement, t'es très fort pour avoir fait avec les moyens du bois. T'es magicienne. T'es ah non, je me régale. Dis-moi là. Je vais me servir deux fois, trois fois. C'est vrai. Ouais. Ouais, moi aussi, je la trouve très bonne. Mmh. Ouais, il y a des morceaux et tout. Hein. Bah, c'est excellent. Mmh. C'est pas mal. C'est... On va pas dire que c'est excellent, mais c'est pas mal. Il y a un goût de chorba au moins. Hein, hein? On retrouve. Non, c'est... tu te fous ma gueule de putain là. Non. Du roulat, tu te fous ma gueule de putain. Et les macaronis aussi, ils sont pas mal. C'est excellent. Encore. Encore toi des macaronis aussi, c'est bon. Ma fossette. Franchement, le ramadan en Thaïlande, comment tu le trouves? Ne mens pas, dis la vérité. Ben c'est différent parce que là, à l'époque où on le faisait, on habitait là-bas, enfin on habitait ici, on avait nos repères, on avait nos marques, on avait nos ustensiles, donc tout allait bien, tu vois, c'était excellent. Mais là c'est un peu la course, il y a les enfants, on fait c'est compliqué. Non, et puis ça a changé la Thaïlande, franchement, vraiment. Ben ouais, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé là, à cause du Covid et tout. Hmm. On retrouve beaucoup moins de produits qu'on avait avant, même plus du tout certains. Mmh. Avant, il y avait de la viande. Dans les rayons, il y avait de la viande rouge halal et du bœuf. Mmh. Dans les rayons, il y en avait, c'était estampillé halal. Là, il n'y en a plus. Limite, tu trouves du poulet, alors qu'avant, tout le poulet de Thaïlande quasiment était halal, enfin de Bangkok déjà. Je pensais pas que le ramadan ça allait se passer comme ça. Dans ma tête, je l'imaginais pas comme ça. Mais en fait, tu es fatigué. Déjà que le ramadan, c'est normal, tu manges pas. Moi en plus je marche plein de journée, je sors. Les petits c'est fatigant, il faut les occuper eux ils sont en pleine forme. Donc le matin tu te lèves, tu les emmènes à la piscine, il fait 40 degrés, toi tu peux pas voir qu'ils mangent pas. Et voilà, tu les fais kiffer l'après-midi aussi, tu sors avec eux, tu fais des activités avec eux. C'est vrai que c'est fatigant et moi je me rends compte que pour nous en fait,
on fait pas grand chose, tu vois. En fait, des enfants, avoir des enfants, ça change tout. Avant, j'en avais un, j'avais le premier, le grand, mais j'ai pas habité pendant longtemps à Bangkok avec lui, je crois, il me semble. Mais c'est vrai que c'est compliqué Bangkok avec les enfants. En plus, il y a beaucoup de bouchons, des passerelles, la poussette, c'est difficile. Enfin, franchement, c'est pas ce que j'imaginais. Ça manque beaucoup l'ambiance de la France, la famille, faire des repas ensemble, cuisiner chez toi, faire des bonnes briques avec de la bonne viande. Ça manque. Pourtant, on en est qu'au 7e jour, alhamdoulilah. Mais cette chorba est pas mal. On a quand même la chance d'être là et pouvoir profiter d'être au soleil et tout. Mais je pense pas que c'est la meilleure période pour aller en Thaïlande ou en vacances pendant le ramadan, quoi. Avec deux gosses de bas âge. J'ai mangé que la chorba et je suis pleine à craquer. Comme quoi, franchement, pendant le ramadan, on se dit on va faire ça. Et finalement, on mange pas grand chose. Je sais pas pour vous comment c'est, mais moi, je mange pas grand chose. D'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup maigri déjà alors que ça fait que une semaine. Et voilà, là j'avais fait que des macaroni and cheese. C'est pour ça que j'aime bien faire des petits, moi, des petites quantités de plein de choses, comme ça on peut goûter un petit peu, assouvir nos envies et voilà, et avoir un petit peu tout sans trop manger, quoi, parce que notre estomac il se remplit vite, quoi. Demain on va où? Enfin, demain, mais je suis pas au courant. Demain ou après-demain, je pense qu'on va aller sur les îles. Je pense qu'on va aller sur les îles, puisque franchement, Bangkok, c'est dur avec les enfants. En fait, les îles, t'as juste la plage et t'as la sieste. Là, moi, je marche trop. J'aime trop sortir, marcher. Moi, j'aime trop me promener. J'aime trop vous partager plein de choses sur Insta et tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, parce que sur YouTube, j'étais pas trop présente, mais sur Insta, j'étais beaucoup. Et du coup, je sors comme ça, je peux vous emmener avec moi, voir plein de choses. Et je suis fatiguée. Donc, les îles, ça serait une bonne option, non? Les petits, ils ont la plage, la piscine juste en bas. On monte faire la sieste. Tu vois, c'est vraiment repos. Je suis d'accord avec toi. Repé, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu parles plus? Elle est si bonne que ça, Benjamin? Ça m'étonne de toi que tu manges des bouts. Je suis choquée. Parce que lui, en général, n'aime pas les bouts. La faim justifie les moyens. Hein. Alors, c'est dégueulasse, tu la manges par deux pieds. Non, elle est très bonne. Arrête de poser des questions. Moi, je me suis fatiguée à parler. Ah non, mais... La chorba, elle nous a achevé. Franchement, on a mangé. Enfin, moi, j'ai mangé que ça. Romain, il a mangé de la chorba et des macaroni and cheese. Et pareil, il en pouvait plus. Donc là, je vais me poser devant mon PC. Je suis en train d'éditer des vidéos pour vous. Il y en a plein qui vont arriver. Je suis trop contente d'avoir récupéré mon appareil photo. Vous pouvez pas vous imaginer. Trop contente de pouvoir à nouveau vous filmer tout ce qui va se passer. Là, normalement, on va partir sur les îles. Du coup, stay tuned. Mais. On va vous emmener avec nous. Je sais pas encore quelle île on va choisir et ce qu'on va choisir, mais on compte partir dans 2 jours. Donc après-demain, donc il faut qu'on se bouge parce qu'il y a, je crois, encore des tests PCR à faire. Il y a encore plein de paperasse à faire. Avec le Covid, c'est compliqué. Pareil, franchement, même Bangkok, ça a trop changé. Je pense qu'on vous fera une vidéo question-réponse sur la vie avant, la vie maintenant à Bangkok, ou pourquoi est-ce qu'on est venu, qu'est-ce qu'on en pense. Enfin, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez par rapport à notre voyage ici à Bangkok. Et du coup, on y répondra dans une vidéo FAQ, si ça vous dit. Mettez-moi ça en commentaire. Voilà, c'est Haftorkom. Et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Love you so much.